Ok. Good morning. On se prend un café vite fait. Voilà, on est enfin dans le taxi. Purée, on a galéré à booker un taxi. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vlog. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait de vlog. Franchement. Donc aujourd'hui, on va se marier. Et je vous invite tous. Ça fait deux jours que je dis ça. On se marie et je vous invite à Coney Island. Alors on va découvrir ensemble déjà Coney Island. C'est une île, une petite île qui est, c'est à Singapour, hein, très accessible. Apparemment qui est super belle puisqu'il y a pas mal de personnes qui vont faire des photoshoots là-bas pour les mariages et autres. On va se marier à Coney Island. Elle est où la dot, les bijoux, tout. On va faire un photoshoot spécial. Alors quand je me suis mariée, tu sais, les Marocains ils mettent la robe. J'ai jamais compris. J'ai compris pourquoi on mettait, pourquoi on met la tenue indienne. Je sais pas pourquoi, mais donc du coup, quand on s'est marié il y a très longtemps, j'ai choisi des robes traditionnelles marocaines et une robe un peu soirée. J'ai pas mis de robe indienne parce que voilà, j'ai toujours trouvé ça. Non, c'était pas. Ah oui, non, c'était un mix. La tenue berbère. Ouais. J'ai pas mis la tenue kabyle. J'avais pas mis de tenue kabyle, mais j'ai mis la tenue chuleuf, berbère. C'est vrai, pourquoi en fait j'ai pas mis la robe kabyle? J'aurais dû mettre la robe kabyle. Ça ressemblait aussi, c'était... Ouais, ça ressemblait en fait, le foulard et tout, ouais. Mais bon, c'est... Le foulard, nous, on le met sur la tête. Bah, chez nous aussi, il y a des régions où ils le mettent. Ah, c'est vrai, je savais pas ça, je croyais qu'ils le mettaient tous autour de la taille. T'as vu ça sur Berber TV. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'avais pas fait la tenue indienne et que là, ici, donc à Singapour, il y a une marque, enfin, c'est pas une marque, c'est une... C'est plutôt un... Comment on appelle ça une zienne, hein, une GAFA on va dire, qui s'occupe vraiment des Singapouriens indiens. Oui, j'ai mis du henné. Des Singapouriens indiens, puisque à Singapour, en gros, on a énormément de Chinois, plus de 70%, et les 30% qui restent, on trouve les Malais, les Indiens et les étrangers. C'est ça, hein, Malais, Indiens, étrangers. Donc il y a pas mal d'Indiens, souvent qui sont musulmans. Il y a de tout, musulmans ou pas, mais il y a quand même pas mal d'Indiens musulmans. Voilà, et donc du coup en fait elle propose des tenues indiennes, mais pour le coup qui sont couvertes. Donc du coup je vais faire un photoshoot pour l'une des robes qu'elle veut mettre en avant, qui est magnifique, c'est une robe rouge, vraiment la robe traditionnelle indienne par excellence. Et là pour le coup je me suis dit on va jouer le jeu parce que, ouais, on est à Singapour, on est en Asie, il y a pas mal d'Indiens et tout. Donc là je trouvais ça intéressant de le faire. Je trouvais ça, tu vois, voilà, je trouvais que c'est une bonne opportunité. Donc du coup, on va aller faire ça. Bah écoutez, je vais partager des petits moments avec vous. Et on se retrouve là-bas parce qu'on est un petit peu en retard, mais ça va, on n'est pas trop loin. Normalement, ça devrait aller. Raqm telata. Yalla. Tu es prêt? Are you ready? Tu vas te transformer en Shah Rukh Khan. Bori chori na 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 na. Qu'est-ce que je ressemble à des acteurs? Waouh, super. C'est ici, yes. Zero sweet. Voilà où est-ce qu'on en est. Il faut encore qu'elle retouche la robe ici. Le make-up il est terminé, il me reste juste les lèvres.
fait. Ok, donc voilà, on est arrivé à Coney Island. Donc on va faire le photoshoot quelque part là-bas. Donc on doit marcher un tout petit peu. Donc je suis bien chargée comme vous pouvez le voir, mais franchement c'est trop beau. Thank you for the makeup, I really like it. Alhamdulillah, it's very nice. Thank you for having me. You're welcome. Le make-up il est trop beau. J'aime bien parce qu'il est il est simple. Donc voilà, écoutez, c'est bien chargé comme je vous disais, mais franchement, j'aime trop. Donc voilà, on a une demi-heure de photoshoot puisqu'on va, on a juste une tenue, donc ça c'est cool, pas besoin de se changer. Et c'est la première fois. Is it the first time you come to Coney Island? No, actually, but it's been quite long. Long time? Yeah. For me, it's first time. It's nice, it's really nice. Donc vous voyez, comme quoi on découvre toujours des endroits. Donc ici, vous pouvez louer des voitures, vous pouvez louer des vélos. Comme vous pouvez le voir ici, et vous promenez. Donc on reviendra ici avec les filles certainement. Oh mince, il y a ma jupe qui se barre. Bon, je vous laisse. On se voit après. On y est presque. My God, c'est lourd. Franchement, c'est hyper lourd. Ouh là là, j'ai l'impression d'être en sueur. Mais ça va, heureusement, la make-up artiste, elle est là. Donc du coup, elle pourra faire la retouche. Je crois que je vais me percer le nez, vraiment. Depuis le temps que je voulais le faire, mais là, je vais le faire. Vraiment. Voilà, on y est. On arrive. L'entrée est juste là-bas. Enfin, welcome to Coney Island. Voilà, yeah. On va faire le photoshoot ici. One, two, three. Okay, let me count two times. One, two, three. Yes. You can come closer, you know. Voilà, on est mariés. Les gens ils passaient, ils disaient félicitations, c'était trop marrant. S'ils savaient qu'on avait trois gosses à la maison. Donc voilà, c'était bien, Ahmed, hein? Franchement, les photos elles sont trop belles. Mon truc là pour le nez il est tombé 10 fois. Ouais, pas bougé. Et j'ai dit à Ahmed, j'ai dit au photographe, j'aimais bien cet endroit parce qu'il y a une partie qui est très sauvage. Et donc je lui dis, ouais, elle est où la partie sauvage là? Et pour le coup c'était vraiment sauvage, au milieu des branches et tout ça quoi. Se battre contre des mouches. Ouais, on a dû se battre contre des mouches aussi. Mais franchement ça va, il fait pas trop chaud. Non, ça va. Et ça y est, c'est terminé, il est 11h et on a terminé, donc ça c'est cool. En tout cas, restez connectés sur notre Instagram, sur mon Instagram, with Hasnabi, et sur notre Instagram, ah, il y a une mouche encore, with the DB Family. Je vous partagerai les photos. Franchement, j'aime trop. Moi, j'ai envie de partir en Inde là. On n'a pas fait de trucs de pose indienne, on a vraiment fait un truc plus sérieux, naturel. Voilà, allez, on arrive à la fin de ce petit vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et voilà, nous sommes mariés. Oui. Nous sommes mariés femmes par la loi sacrée du photoshoot. Voilà, merci. Assalamu alaikum, Maris. Hi, assalamu alaikum. Voilà, on va enlever 5 kilos de vêtements. Thank you.